Allez, allez, bonjour à tous, bande de villes péons. Bienvenue à ce nouvel épisode de Dragon Age Origin. Origin. Oh, elle va aller chercher ses petits copains, à coup sûr. Oh là. Pourquoi un petit lac comme ça? Qui a osé? Oh là, on va rester à distance. On va rester complètement à distance. Toi, ce que tu ne peux pas faire. Donc tu vas rester là. Bon, va aller, vas-y, Chal. Allez, allez-y. Ok, tac, au combat. Et toi aussi. Voilà. Ah merde, ils l'ont tué. Salope. Ça c'est pas bien que vous me l'ayez tué. Oh là là, mais c'est les combats avec les araignées. Oh le lag. Oh oui. Oh oui, c'est stylé. Oui. Donc j'ai oublié de dire que nous continuions dans les tréfonds à tuer des trolls avec des putains d'actions stylées. Ou même s'il y a des araignées quelque peu partout. Rampe mort de Teg, oh putain. Quelles sont ces malentries? Oh là là! Attendez, calmons-nous. Araignée géante. D'accord. Donc on est dans le caca. Alors ce que je vais faire, c'est fuir lâchement. En espérant pouvoir le faire. Sinon, c'est la merde. Auriez-vous l'obligeance de me lâcher les basques? D'accord. Alors. Voilà. Ah. C'est la merde. C'est la merde, ok. Très bien, c'est un gros fail. On commence cet épisode comme ça. C'est beau. C'est beau. C'est beau! Écoutez, je n'ai rien à dire. Voilà, c'était magnifique. Donc ne faisons point de conneries. On va appuyer sur H. Voilà. Donc, aux graines, vas-y. Toi, attaque ici. Oh la merde! J'ai vaguement l'impression que le géant se précipite sur notre gueule.
te dérangerait d'attaquer sinon? Bon, ok. Allez, au combat! Bon bah, d'une certaine manière, on s'en sort mieux. Bien. Donc, je ne sais plus ce que je disais. Oui, donc si nous sommes toujours en train de parcourir les tréfonds. Les tréfonds. Alors ce qui est dommage, c'est qu'il peut pas attaquer à distance ce con de gros tas de cailloux. Non, attends, s'il vous plaît. Voilà, attaque au corps à corps. Très bien. Donc. Dites ce que vous avez à dire. Très bien. Très bien. Voilà. Donc on peut les avoir un petit peu à distance, au cas où. C'est censé me faire peur. Allez, tirez dessus. Voilà, c'est la technique de lâche, c'est pas grave. Au combat, au combat. Au combat. Au grain, s'il te plaît. T'as-je point dit d'aller au combat? Ah bon? Bon bah ça s'est bien passé finalement. Ah, c'est pas fini. À l'assaut! Alors c'est une araignée, elle n'a pas de bras au grain. Oui, je voulais dire des trucs mais je sais plus du tout, donc c'est pas grave. On va faire comme si je ne voulais rien dire, ça n'a pas d'importance. Arc court des engins, c'est de la merde. Pierre fendue avec du caillou dedans, c'est pour faire... Oh, fais chier! Salut, araignée de merde. Oh là, toi je t'aime pas. Ah mais non! Salope! Ah lui, eux je les aime pas. Eux je les aime pas du tout. Très bien! Donc c'est très bien. Je l'orbine pas. Mais si. Mais si, on est complètement là pour tailler une bavette, comme tu dis. Donc alors, on va déjà aller dans cette, dans ce petit recoin, cette petite crique, dont, où il faudra revenir avec Eliana. Très bien. Allez. Allez. Je voulais dire des trucs, mais décidément, j'arrive vraiment plus à m'en souvenir. Ce n'était sans doute pas important, ni grave, ni intéressant. Ah, là-bas, des coffres que l'on puisse. Tombeau de guerrier. Oh. C'est pour le codex. Bien. Très bien. Cristal de givre imparfait. C'est sans doute de la merde. C'est sans doute de la merde. Très bien, continuons. Continuons, salut. Donc voyons voir les araignées qui s'affrontent avec les engeances.
Je préfère qu'ils s'affrontent entre eux. Pour l'instant. Qu'ils me laissent en paix. Tu ne m'attireras pas dans ton piège. Manante. Ah ouais. C'est bien, elle est gelée. J'ai pas du tout assez de dextérité, bordel de merde. Oui, insuffisant. D'accord. C'est bien. C'est serre de soin, très bien. Droite, gauche, gauche, droite. Je suppute que tous les chemins mènent à Rome. Hey, je m'y attendais. Je m'y attendais complètement. Quand j'ai vu cette toile, je me suis dit, c'est complètement l'endroit où on va se faire piéger la gueule. Ah mais attends, on s'est bien bien piégé la gueule. Donc c'est le massacre d'araignées. Oui, oui, oui. Dites des choses. Serpentine, ça, ça se vend. Cela se vend. Voilà, comme je lui attendais, ce sont les mêmes endroits. Petit coup de sauvegarde. On ne sait jamais. Oula! Un golem! Eh ouais, effectivement, ils sont bien plus gros que toi, tes potes. Ils sont vraiment bien plus gros que toi, tes potes. Du coup, attaque-le. Ça lui fait rien. Ah, on l'a mis au sol. Oui, il est mort, très bien. D'accord. Mais ils sont pas censés avoir disparu les golems, j'avais cru comprendre. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Enfin oui, bon, je vous me direz, j'en ai un avec moi. Du coup c'est chaud qu'ils aient disparu. Mais je dirais être hyper rare. Parce qu'il y a des, quand même un ou deux nains qui m'ont dit « Waouh, vous avez un golem, c'est trop rare !» Et puis il y en a quelques-uns d'autres qui m'ont dit « Waouh, les golems ils ont disparu et on sait plus les fabriquer. » On est un petit peu des clochards. Tous les chemins ne mènent pas à Rome finalement. Ai-je l'impression. Ne serait-ce point là. Brisé, d'accord. On va donc décider de retourner sur nos pas. Fort habilement et intelligemment. Ah mais si. Si si, j'ai rien dit. Tous les chemins mènent à Rome. C'est juste que je ne sais pas observer une carte. Je suis un gros sac. Vous pariez combien que ce coffre de merde, je ne puis point l'ouvrir. Je m'en doutais. Je t'ai vu, toi, saloperie. Je t'ai pressenti avec encore de la merde pour mon golem. Faut vraiment que je revienne partout dans cette zone avec Liliana. Coffre du Teg d'Ortan. Ruk, qui est ce Ruk? Qui est ce Ruk? Ce Rugeruk. Bon. Oui, je suis assez d'accord. Petit bouquet, c'est de la merde. Ok. On va aller voir ce Ruk pour voir ce qu'il nous veut. Y'a rien pour vous ici. Tout est à moi. À moi, vous entendez? Oui, si tu veux. Qui êtes-vous et que faites-vous ici? Je le savais. Vous êtes venu pour ma concession. T'as quoi? Vous êtes un voleur. Comme tous les surfaciens. Par contre, j'étais ici en premier. C'est à moi. Pourquoi à tu moi te comportes comme Gollum? Bon, c'est rien qu'un pauvre mineur complètement fou. Mais il est tout tordu. Allez-vous-en. Eh oui, il est tout tordu, je rêve pas. Les monstres de la nuit vous entendent. Ils vous brisent.
briseront en mille morceaux. Et c'est comme toi, t'es brisé? Pour survivre seul ici, vous êtes obligé de manger les cadavres d'engeance. C'est dégueulasse! Vraiment? Et pourquoi ferait-on une chose pareille? Ça brûle le gosier, oui! Ça brûle! C'est ma concession, pas la vôtre! En mille morceaux! Ouais, il a bugué! Et puis il a bugué, et il y a des araignées. Et je suis gelé. Ah merde! Ah merde! C'est le caca! Dis donc, ça vous dirait de. De bien vouloir. Ah! Mais laissez-moi tranquille! Voilà! Eh mais ils me les butent tous! Ouah! Ils me les butent vraiment tous! Je vais décéder hein. Oui alors à mon avis, alors ce qu'on va faire... Voilà, donc on va se laisser décéder. On va recommencer cette conversation avec ce monsieur loufoque. Et cette fois, on va lui dire d'aller se faire bien enculer, bien profond, pour nous avoir balancé ces araignées de merde à la figure. Voyez-vous ? Y'a rien pour vous ici. Tout est à moi. À moi. Oui, oui, à toi, à toi, à toi, à toi. Vivre seul ici. Oui, oui, et fou. D'accord. Toi, va ici. Toi, attaque. Attaque. Et toi, attaque. Attaque. Et moi, j'attaque. C'est parti! Aïe aïe aïe! Allez, séisme! D'accord, fais chier! Ah bordel de merde. Je veux bien que tu survives en fait. Je veux bien que tu survives et que tu poutres la gueule à cette araignée. Aïe aïe aïe! Aïe aïe aïe! Ah, il est décédé, c'est bien! Allez, oui, c'est bien! Tu l'as, tu l'as! Ok, voilà, je suis pris d'un coup, je suis mort! C'est pas grave, cette fois on devrait s'en sortir mieux! Wouah, mais ce regain de difficulté d'un coup là? Ah! Bonjour. Je vais pas trop bien. Ah. Oh là là! Ok. Ah putain. Ah putain. Ah putain, ça va m'énerver. Oui, oui, oui.
blablabla. Pour survivre seul ici. Donc, faut vraiment que Wii ne soit pas, se fasse pas défoncer en fait. Tac. Tac. Et moi, je vais m'occuper de la petite araignée qui est là. Et là, toi, tu vas faire tremblement de terre, voilà. Alors, après, on va faire ça. Hop, recule, recule. Nous devons nous battre. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe? Win. Alors, attends, inventaire. Il me faut de la potion de lyrium. Point de pierre. Point de pierre. Alors attendez, où suis-je moi? Oh, d'accord, les pigés. Point de pierre. Attendez, on va s'en sortir. C'est laquelle qui me saute dessus? C'est celle-là, l'araignée venimeuse, d'accord. J'espère que c'est bien celle-là. Sinon, je suis dans le caca. D'accord. Voilà. C'est pas celle-là. Quoi, cette fois, on s'en sort mieux quand même. Ah, on s'en sort beaucoup mieux tout de suite. Wouah, c'est étendu. Oui, oui. C'était violent. Ah, oh, ce bâtard avec ses araignées de merde. Ah putain, on a bien bouffé sa mère. Ça c'était un coffre qu'on ne peut pas prendre, on est d'accord. Bon alors on va poursuivre ce petit fumier. On va aller lui poutrer sa saloperie de gueule. Ce petit con. Hein, qui est-il pour oser pour casser les couilles comme ça? Hein, petit Gollum là. Petit sac à merde. Pommeau du surfacien. Nouvelle quête. On l'avait pas déjà ça? Ah non, c'est peut-être la continuité de la quête. Ça doit être la continuité de la quête. Putain, l'inventaire se remplit vite. Ok. Donc, sauvegarder. Alors, petit con qui se prend pour Gollum mais qui est tout démembré. Démembré! Les trésors sont à moi! Ok, je veux juste causer. Non, pour l'instant. Je ne veux pas vous parler. Allez-vous-en. C'est vrai que ce serait d'une certaine manière plus humain de le tuer. Je veux pas te voler. Vous jurez de ne rien prendre à Ruk. Non, à part peut-être ta vie. C'est vers luisant. Ou ces jolies pierres. Ah non. Je veux juste vous parler pour l'instant. Oh, Ruk est d'accord alors. Vous êtes donc Ruk, c'est bien ça? Oui, c'est moi, Ruk. Je ne l'entends pas beaucoup. Alors j'aime bien le dire tout haut. Ruk, Ruk, Ruk. Oui, t'es complètement Gollum. Vous avez des choses à vendre.
Je crois que j'ai rencontré votre mère. Non, pas de Filda, pas de mère, pas de lit bien chaud ou de bon ragoût ou d'oreiller ou de mots gentils. Ruth ne mérite pas tous ces bons souvenirs. Non. Ah bon? Ah oui, c'est vrai qu'il y avait une naine qui nous disait « Oui, mon fils, il est parti dans les tréfonds, il est un peu perdu. » Quelque chose comme ça. Comment vous êtes-vous retrouvé ici? Elle ne sait pas ce que je fais. J'étais très 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 en colère et ensuite quelqu'un est mort. Les autres voulaient envoyer Rugg dans les mines. Mais si j'allais dans les mines, alors elle saurait. Tout le monde saurait. Alors je suis venu ici. Une fois que vous avez mangé, une fois que vous avez accepté les ténèbres, la lumière ne vous manque plus vraiment. Qu'est-ce que quoi? Vous savez de quoi je parle, n'est-ce pas? Rugg sait, il voit les ténèbres qui sont en vous. Waouh, je comprends que dalle. Enfin si, j'ai compris que t'avais bouffé de l'argent, c'est que du coup tu voyais que moi aussi j'en avais bouffé, mais... Vous devez dire à votre mère que vous êtes vivant. Non. Elle se souvient d'un petit garçon au grand sourire et au regard brillant. Elle ne doit pas voir ce que j'ai su. Ou alors t'as commis un meurtre, c'est ou quelque chose comme ça. Jurez, promettez que vous ne lui direz rien. Vous préférez qu'elle vous croie mort? Oui. Ah bon? Dis ta mère que Rugg est mort. Il est mort et ses os croupissent dans la toile d'un rampe mort. Et elle ne doit plus jamais penser à lui. Très bien. Oui, mort. Rugg est mort. Pas exactement ce que j'aurais mort dit, mais... comme les os qui tombent en poussière quand on les touche. Oui, n'approuve. Miaou. Sauvegarder. Mon bon ami est de retour. Oui. Mon bon ami n'oblige pas Rugg à se souvenir de la lumière. Rugg peut faire quelque chose pour son ami. Est-ce que t'as des choses à vendre? Pour vous, oui. Rugg a beaucoup de choses. Et vous n'avez même pas besoin de lui donner des pièces en échange. Mais vous pouvez aussi si vous voulez. Ah. Si on veut. Oui, en fait, si on veut, ça veut dire oui. Ah, mais du coup, c'est bien qu'on l'ait pas tué. Parce que comme ça nous fait un petit magasin. Donc ça, on a dit, c'est de la merde. Tout ce qui est engeance, c'est de la merde. Les masses d'armes, de toute façon, je m'en branle. Ça, c'est sans doute de la merde. Ah oui, c'est vrai que c'était de la merde. C'est de la merde. C'est très bien, parce que du coup, on va pouvoir se vider les bourses. Et oui, vous m'avez tous dit plusieurs fois que c'était dégueulasse de dire ça. Je m'en fous. Ça, on va vendre. Petit bouclier des engeances. Vendre. Ça, je garde. Alors. Ça, tout ça, on a dit que c'est de la merde. Oui, c'est de la merde. Tout ça, c'est de la merde, je peux vendre. Très bien. Ceinture de destruction. Oh, intéressant. Rune martiale de grand maître. Hein. Symbole d'argent à l'eau forte. Ça, c'est du cadeau, j'achète. Ça, vendre. Le venin, on va le vendre. Bon, j'espère qu'il fait, il me les rachète au même prix que les autres. Que les autres marchands. Ça, c'est du cadeau. Le cadeau, on vend pas. Ça, on vend. 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 Même si techniquement, on pourrait les offrir en cadeau aussi. Icor démoniaque. On vend. Fragment d'esprit. On vend. Éclair figé. On vend. Cristal de feu. On vend. Pierre de givre. On vend. Rochet de givre. On vend. Poussière de lyrium, on vend. Extrait de toxine, on garde. Et champignon des tréfonds, on vend. Est-ce que tu as des extraits de toxines? Ouah, t'as millions de champignons des tréfonds, mais aucun putain d'extrait de toxines. Donc tu pues et tu fais chier. Très bien. Mon bon ami est de retour. Oui, très bien. Bon ami, question. Rugg vous écoute. Rugg, il m'écoute. J'ai bien... Je crois que...
J'ai rencontré votre mère. Avez-vous trouvé quelque chose de particulier dans ce campement? Des choses ici et là, mais tout était cassé. Les rampes-morts avaient tout emporté. D'accord. Les rampes-morts aiment l'acier et le papier. Ils volent les mots et les objets brillants. Du papier, des mots, voilà qui est intéressant. Vous pensez que Branca avait installé son campement ici? C'est probable. Ils volent pour leur grand nid, le nid qu'ils font pour leurs œufs. Et ils mettent les beaux objets à l'intérieur, ça oui. D'accord. Depuis combien de temps vivez-vous ici? Trop longtemps. Au moins 5 ans. 6 ans. Ah oui, d'accord. Truc à oublier les sons et les odeurs de la ville. En même temps, c'est peut-être pas si longtemps que tu es parti. Enfin, tu penses que ça fait si longtemps, mais c'est peut-être pas le cas. Alors, comment avez-vous survécu? Avant, les monstres de la nuit venaient. Alors je me cachais dans l'ombre. Mais ils ne peuvent pas vous voir si vous ne faites pas un bruit. Pas si vous mangez leur chair. Les monstres de la nuit croient que vous êtes l'un d'entre eux. Ils vous laissent tranquille. Ah! Ils sont partis maintenant. Je vois. Et savez-vous où ils sont partis, les monstres de la nuit? Je crois qu'ils sont partis vers le sud. Loin, très loin vers le sud. C'est rien qu'un pauvre mineur complètement fou. Ce n'est pas... Hein? D'autres. Alors vous n'allez pas faire de mal à Ruk. Après être sorti de son long sommeil, hein, le sombre maître ce a bug appelé à lui tous ses enfants. J'aurais tant voulu les suivre et contempler sa splendeur. Waouh. Donc j'ai vite fait compris qu'il provenait de l'archidémon en lisant ce qu'il y avait écrit en haut. Mais c'était bien buggé. Savez-vous où je trouve le sombre maître? Je n'entends plus sa voix. J'aimerais tant aller le voir. Mais Ruk est trop lâche. Ta fiole. Il reste des araignées géantes, n'est-ce pas? Les rampes morts, oui. Avant, ils mangeaient les monstres de la nuit, mais maintenant, ils ont faim. J'aimerais vous poser une question. Ruk vous écoute. Roule-toi bien dans ta fange, misérable gâchard. Wow. Ce n'est pas si terrible. Les ténèbres et le feu intérieur tiennent chaud à Ruk. Une bonne chaleur... Bon. Ne t'approche pas de moi, monstre! Regardez-le! On dirait un ver de terre! C'est pas faux. Il aurait dû être envoyé aux mines, mais il a préféré vivre comme un chien. Laissez-moi abréger ses souffrances. Alors le problème, c'est que il nous sert de vide-bourse. Donc en termes de gameplay, c'est pas une bonne idée de le sacrifier. Mais techniquement, je serais d'accord avec lui. Et je pense qu'il aimerait bien que je sois d'accord avec lui d'ailleurs. Mais on s'est déjà vidé les bourses techniquement. Donc. Vous avez raison. Un peu que j'ai raison. Dépêchez-vous qu'on puisse se remettre en route. Oh non, ne faites pas de mal à Ruk. Voyons. Non, parce que bon, c'est un peu une pauvre merde quand même. Enfin, je veux dire. Jack, il est survécu aussi. Aussi longtemps, quoi, c'est un peu chaud. Bon, et du coup, je récupère du pognon au passage. Enfin, je veux dire, c'est pas très. Enfin, voilà, honnêtement. On dirait que ce charognard vit dans l'ancien camp de Branca. Vous avez vu les marques sur le sol? Il y a eu une sacrée concentration de personnes et de feu à une époque. Ça doit être les papiers de Branca qui ont été emportés par les araignées. Oui, je suis d'accord. Aussi fragile n'aurait pu rester dans le tel. Je suis d'accord. Non, mais parce que franchement, il y a des trucs qui sont un petit peu chauds. Enfin, je veux dire... C'est... Comment dire? Bon, bref. Je pense que c'est un bon choix de le tuer. Eh, il nous reste déjà plus que 5 minutes. Archive d'Ortan. Très bien. Quête mise à jour. Fort bien. Coffre éventré. Ronda Schnen, très bien. Voilà. Ça, je m'y attendais. Mais à la limite, je suis plutôt content parce que ça va nous faire gagner de l'expérience. Ce qui n'est pas mal.
c'est moi ou il y a encore plein d'ennemis là? Pourquoi t'es morte? Ah mais d'où il sort lui? Ça va saigner. Allez. Tirez-vous encore. Pas pour longtemps. C'était pas exactement ce qui était prévu. Défonce-moi ce golem. Ah merde, il m'a tué. Salaud. Et j'aime pas me battre à deux mains. D'accord. J'ai fait une connerie. Je dois le reconnaître. Je dois reconnaître que du coup je pue un peu. Cet épisode était quelque peu failesque sur plusieurs points. Voilà. Donc écoutez, je sais ce que je vais faire. Je vais pas faire ça tout de suite. Je vais d'abord attaquer derrière, comme ça évitera de me faire prendre dans le cul pendant le combat des araignées. Donc on va avancer un petit peu. Très vite fait. D'accord, donc là-bas il y a plein de gens. Très bien. On les a aggro mais pas trop. Ah! Très bien, c'est pas prévu mais ça me plaît aussi. Par contre il est tout bugué le golem, il se veut pas. Bon du coup l'épisode sera peut-être un peu plus long. Très bien. Ok. Alors, sur ce, je vous dis salut à tous et à plus pour un prochain épisode. Allez, salut.